Me dire je jouerai bien toute la nuit, mais j'ai peur qu'il soit fatigué. Donc par respect par vous, on va en faire un dernier, puis après on arrête de jouer. Ah bah bah.
va faire bref, hein. On a convenu qu'il n'y avait pas d'expression politique dans cette fête. Juste quand même quelques mots pour vous remercier tous d'avoir répondu à cette invitation, pour remercier bien sûr tous les musiciens qui sont là. Noël, voilà, moi je vais m'adresser à Noël, vous saluer à toutes et à tous, mais te dire l'immense plaisir que j'ai d'être à côté de toi. Pourquoi ? Parce que je crois que tu me connaissais avant que je ne sois née. Oh. C'est formidable. Monsieur le maire a dit pas de politique, je voudrais remercier Patrick, parce que c'est grâce à Patrick qu'on s'est retrouvés. Et je ne veux pas qu'on fasse de politique, mais je trouve quand même que le socialisme te conserve bien. Et aujourd'hui, on a d'abord tout cet intergénérationnel, des plus jeunes aux plus âgés, qui passent la musique, et grâce à vous, Noël, la musique passe et va passer de génération en génération, et je voulais vous en remercier. Je le souhaite. Et voilà, et je crois que grâce à ces artisans de la musique, et surtout à vous et à votre présence, on est en train de passer tout ce qui est nos racines locales, gasconnes, etc., que je connais parfaitement. On a exercé le même travail, la ferme, les vaches, le champ, oui. Les pins. Mais oui, comme te rappeler notre première rencontre en 1962 sur la route de Calais à Capcieux. Et à Madrol, vous savez où c'est Madrol? Au bord de la route, il y avait un monsieur avec un fusil. Je l'ai reconnu. Les syndicats, je les faisais tous, je l'ai reconnu, Noël. Un marais. Alors, première question, où en est-on de notre salaire? Alors, j'ai expliqué, et puis moi je suis parti en Lot-et-Garonne faire deux réunions syndicales. Et avant de nous en aller, il m'a dit, eh bien, on continue. Bon, très bien. Alors, ça me fait dire aujourd'hui, j'ai la même réponse pour mon ami Noël, ce qu'il m'avait répondu à Madrol, Noël, on continue. C'est avec un grand honneur, au nom du conseil d'administration de la MSA et de l'échelon local, Alain Biron n'a pas pu être là ce soir, que je te remets un chèque qu'on remet à tous les centenaires. Et comme dit, je vais reprendre vos paroles, et on continue. Noël. Avant que Jean-Luc prenne la parole, moi c'est beaucoup plus symbolique. C'est juste la médaille de la ville de Capcieux, mais qui quand même est gravée à ton intention, parce que c'est pas tous les jours qu'on a un Voilà, avec grand plaisir, tu la partageras avec Eliette, bien sûr, parce qu'on vous dit ceci, évidemment. Et je voudrais, Noël, moi aussi, alors de la part de Philippe Madrel et de tout le Conseil Général, puisque vous avez une première médaille, il y en aura une deuxième, une de chaque côté. Ça, c'est la médaille, pas dans le bon sens, du Conseil Général, voilà, qui est aussi gravée au nom de Philippe Madrel, pour vous. Voilà, c'est le Conseil Général et toute la Gironde qui vous félicite. Eh bien, je vous remercie. Je ne m'attendais pas à ça. Non, je suis un pauvre paysan. Pauvre paysan. Eh bien oui. Je tiens à ajouter un petit mot après vos discours. Je suis très sensible à tous vos éloges et vous en suis reconnaissant. Et vous remercie de votre présence ici. Je veux remercier tout particulièrement Monsieur le maire et la municipalité de Capcieux qui m'a accueilli, moi, de Luc Mallet. Merci aussi à Patrick Lavaux, mon ami, des nuits atypiques, sans que rien
n'aurait été possible ni envisageable. Merci aussi à Didier Oliver et à tous ses élèves de l'école de musique que j'embrasse. Merci à Eliette et à toute ma famille et à la grande famille de la musique et de la danse qui m'honore aujourd'hui. Je ne peux tous vous embrasser, mais c'est dans mon cœur. Vive l'amitié et vive la musique. Nana ou pendant 7 ans, quand tu gâtes la cornéou, Nana ou per qu'est-ce que ça nous t'y vaillons sans foutu. Eh bien, merci. Je vais vous chanter ça, avec Jacques. D'accord, merci beaucoup. Nada, o que é que é o sertão, nada, o que é o sertão.